Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Learn English with Hanan. Aujourd'hui, on va regarder la 11e leçon d'anglais pour les débutants. Et la leçon d'aujourd'hui, c'est le verbe to be au présent à la forme négative. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, let's get started. Alors, comme on a déjà vu dans la première leçon en ce qui concerne le verbe to be au présent, il y a deux formes pour chacune des trois formes. La forme affirmative, the affirmative form, la forme négative, the negative form, et la forme interrogative, the interrogative form. Et à peu près aujourd'hui, nous allons voir les deux formes de la forme négative, qui sont la forme longue, the long form, et la forme courte, the short form. On va premièrement voir la forme longue, the long form, et deuxièmement, on va voir la forme courte, the short form. Allez, on commence. I am not. I am not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. We are not. You are not. You are not. They are not. They are not. Et maintenant avec la forme courte, the short form. Mais avant de commencer, je veux vous expliquer quelque chose de très important. Dans la forme courte, il y a deux phrases. Et les deux phrases sont les mêmes. Ça veut dire on peut utiliser la première phrase et aussi on peut utiliser la deuxième phrase. Let's get started. I'm not. I'm not. You aren't. You're not. He isn't. He's not. She isn't. She's not. It isn't. It's not. We aren't. We're not. You aren't. You're not. They aren't. They're not. Encore toutes les formes. I am not. You are not. He is not. She is not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. I'm not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't.
I'm not. You're not. He's not. She's not. It's not. We're not. You're not. They're not. Alors, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette leçon. Et j'espère aussi que ça devient clair pour vous c'est quoi le verbe to be, c'est quoi la différence entre tout les formes. N'oubliez pas de réviser les autres leçons et la leçon d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de sonner la cloche. À bientôt avec la dernière forme du verbe to be qui est la forme interrogative. The interrogative form. Au revoir!